Voilà, bonjour tout le monde. C'est une présentation sur le logiciel Blender 3D. Donc, est-ce qu'il y a déjà quelques-uns d'entre vous qui le connaissent? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Oui. Est-ce que vous êtes, disons, plus que débutant? Qui est plus que débutant? Il y a déjà deux, trois personnes qui connaissent, très bien. Je ne sais pas si vous apprendrez beaucoup, c'est plutôt pour une présentation d'introduction en général au logiciel, un peu à l'historique, un peu aux différentes utilités. Il y aura une partie démonstration de certains des features. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce logiciel. Et voilà. Donc, je m'appelle Olivier Amrain. Mon nickname, c'est O en voyage, que vous retrouverez à la fin. Vous pouvez sans hésiter aussi me contacter si vous avez des questions ou chercher des réponses. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer un petit peu par un peu l'historique de Blender. C'est donc un logiciel open source actuellement, mais il n'a pas toujours été open source. Le début, c'est environ, ça fait quoi? Ça fait presque plus que 20 ans. C'est une boîte hollandaise qui s'appelait Neo Geo, qui faisait de l'animation 3D pour la télévision et différents clients, qui n'avait pas de solution. Enfin, il y avait différentes solutions, Alias, Softimage, qui étaient de différents prix. Et eux avaient produit, parce qu'on pouvait encore assez facilement créer un logiciel de zéro, en tout cas, du point de vue 3D. Donc ils avaient créé un logiciel qui ne s'appelait pas Blender tout à fait au début, mais qu'ils ont utilisé, et donc ils avaient des développeurs, deux développeurs et deux, trois artistes. Les artistes étaient aussi des développeurs, et ainsi de suite. Un mix comme ça. Je le précise parce que c'est assez important pour Blender, du fait qu'il soit open source, qu'il y a beaucoup de projets qui reprennent la même philosophie du « on va faire un film, et on a des artistes, on a des besoins de production dans lesquels on peut avoir justement les codeurs, les développeurs qui vont nous résoudre les problèmes. » Ça, c'est important. Ça, c'est la première étape. Ensuite, en 98, il y a eu l'étape freeware, c'est-à-dire qu'ils ont laissé les gens le télécharger, mais le code source n'était pas, on pouvait pas en modifier. C'était toujours encore, on va dire, les Hollandais qui maîtrisaient, ils acceptaient les bug reports, quelques features, il y a eu des requests qui ont tout de suite été acceptés, mais ça restait encore un peu contrôlé. Ensuite, si vous suivez les années 2000, il y a eu Internet, il y a eu plein d'envies, plein de projets, et puis il y a eu des histoires personnelles qui ont fait que différentes orientations de projets n'ont pas très bien marché pour cette société qui s'appelait Not a Number à l'époque. Et donc il y a eu des investissements, des histoires financières qui ne m'intéressent pas extrêmement. Mais le fait est que le code était coincé dans ces investisseurs. Il y a des investisseurs qui avaient ce code. Et il y a eu cet appel, je ne sais pas si on appelle ça un appel d'offres, mais un appel à l'aide des développeurs originels de Blender pour justement racheter ce code source à ses investisseurs et pouvoir faire un projet 100% open source. Donc, que tout le monde ait l'accès à ce code. C'est ce qui a été fait en 2002, l'automne. Donc, tous les différents utilisateurs ont pu faire des dons. Et c'était le tarif de 100 000 euros. Je ne sais pas si c'est beaucoup pour ce qu'il y avait et tout. Le fait est que, grâce à la communauté, cet argent a pu être trouvé, et la Blender Foundation a été créée pour gérer ce code source et les différents développements du projet Blender. Ensuite, bien sûr, quand on reçoit le code source, on doit faire différents réaménagements, accepter, l'organiser en SVR, enfin, il y a eu beaucoup de choses, et puis, petit à petit, ça roulait, et en 2005, je l'ai mis en orange. Je suis vraiment désolé, je ne suis pas sûr qu'on le voit très bien. Mais 2005, c'est une date clé dans le sens où c'est le premier projet de film open source. Il s'appelait Project Orange, qui a fait le film Elephant's Dream.
Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu ou ont vu d'autres films de la Blender Foundation. Et donc c'est vraiment là où on a repris ce concept des artistes qui font un film, qui ont des besoins, et des codeurs, des développeurs qui répondent aux besoins. Et à chaque projet, il y en a eu 4, 5 avec un projet de jeu, mais 4 principaux de projets de film. À chaque fois, il y a des objectifs qui ont été définis pour le film. Donc si je prends... et des objectifs qui vont amener des nouveaux features, des nouvelles options et des nouvelles possibilités au logiciel. Elephant's Dream, par exemple, alors c'était le premier, il y avait tout ce qui était le workflow, il y avait surtout du compositing, parce que le compositing, c'est l'étape de post-production vraiment finale pour la colorimétrie et différents aspects. Voilà. Ensuite, c'est un projet Open Movie en Creative Commons aussi. Ça, c'est très important. Ça veut dire que le film lui-même n'a pas de droit. Il y a des droits pas comme on connaît pour Spider-Man 3. C'est-à-dire que si je veux faire une projection ici, il y a différentes choses qui rentrent en compte. C'est du Creative Commons. On peut le distribuer, le film, on peut le présenter. Il sera d'ailleurs présenté à 4 heures. Après, il y a des petites flèches dans le haut là. Si jamais vous êtes intéressé par les 4 films de Blender, seront présentés à 4 heures en projection. Faut suivre les petites flèches, c'est à gauche après les toilettes. Un autre aspect du film en Creative Commons, c'est tout simplement que toutes les assets, tous les fichiers, tous les matériaux, toutes les textures, tous les personnages, tous les objets, tous les décors qui ont été utilisés pour les films open source peuvent être téléchargés, modifiés, redistribués, utilisés commercialement aussi. Donc il y a quelques exemples qui ont été faits. Voilà, ça c'est un grand chose. Pour moi qui suis plutôt artiste, c'est aussi l'aspect, je peux voir comment a été fait ce film, je peux comprendre comment ils ont fait cet effet, comment ils ont fait ce personnage. La prochaine date c'est 2007, la création du Blender Institute, qui est une entité un petit peu différente de Blender Foundation, qui s'occupe vraiment là du côté plus avec les artistes, faire les films, différents projets. Ensuite, 2008, c'est le deuxième film, Big Bug Bunny, l'histoire d'un gros lapin qui se fait un petit peu maltraiter et puis qui a une bonne vengeance. Ce film, si on regarde la différence, il y avait par exemple le lapin avait beaucoup de poils, il y avait de l'herbe aussi. Donc ça, c'est un des objectifs qui a été fait pour ce film, c'est tout ce qui est feu, c'est les fourrures, les poils, l'herbe. On passe un petit peu, 2 ans après, on voit qu'il y a à peu près tous les 2 ans un film, ça prend du temps, il y a toute la pré-prod, il y a le post-prod, tout ça. Donc 2010, c'est Sintel, l'histoire d'une fille, l'amitié avec un petit dragon. Voilà. Prochaine date, c'est-à-dire, c'est 2011, c'est toujours un petit peu imbriqué, parce que projet Sintel a commencé avec. C'est la version 2.5 de Blender, c'est une version qui a été complètement réécrite, et qui a, disons, corrigé beaucoup de choses de la base. La base, c'était vraiment il y a 20 ans. C'est-à-dire, il y a beaucoup de codes qui étaient de 1989. Et ça, on peut continuer de faire un développement de logiciel, on rajoute des patchs, il y a des choses qui vont pas dans la base. C'est pas une base moderne. Il a fallu refaire, basé sur déjà l'ouverture, l'API, pouvoir accéder en Python à tout. Donc ça, c'était fait il y a 2011. Et l'année passée, le projet le plus récent, c'est Project Mango, Tears of Steel, qui est un film différent des autres, de nouveau. On cherchait d'autres objectifs. Cet objectif, cette année, c'était le visual effects, les effets spéciaux. Parce qu'en effet, Tears of Steel a été filmé avec une vraie caméra, donc c'est pas un film 100% CGI, animation 3D. C'est vraiment, on a filmé des personnages et on leur a rajouté des robots et c'est une histoire futuriste. Donc on avait besoin de ce workflow, de savoir comment on peut traquer une caméra pour la mettre en 3D, rajouter des intégrations, le compositing pour voir que les ombres, tout suit. Ça, c'était l'objectif de Project Mango. Ça, c'est un peu pour l'historique et suivre tous ces développements.
Ensuite, voilà, c'était une photo, c'est une personne, voilà, c'est simplement c'est la personne qui a démarré le projet, qui a toujours suivi et qui est maintenant comme chairman, le président de la Blender Foundation, qui est une personne vraiment très, 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 très sympathique, très amusante. Et voilà, je voulais juste vous le présenter. Ensuite, je vais juste boire un peu un verre et vous présenter quelques possibilités d'utilisation de Blender. Parce que c'est vrai qu'on dit Blender, c'est okay, c'est l'animation 3D. C'est vrai, c'est son principal outil, c'est son principale utilisation. Mais en faisant de la 3D, on peut aussi faire de la 2D, l'animation 2D, c'est-à-dire ça peut être soit avec un rendu freestyle, qui est un rendu cartoonesque, c'est-à-dire qu'on a des personnages en 3D, mais au rendu, au lieu d'avoir des lumières entre guillemets réalistes, on aura un rendu cartoon, un rendu toon, c'est-à-dire des traits de silhouette et des couleurs très définies avec éventuellement un deuxième dégradé. Il y a bien sûr la possibilité aussi de faire de l'animation 2D, 3D, c'est-à-dire on prend des plans, comme par exemple je peux faire une photo, une image, un dessin d'une main, d'un bras, et de les animer en 3D, mais toujours sur un plan XY. Ça reste. Ensuite, on a parlé de compositing, d'effets spéciaux, qui peuvent être soit on a des éléments qui sont en 3D faits dans Blender, soit des éléments externes, qui peuvent tout à fait être faits. Ensuite, il y a toute une fonction de vidéo editing, d'édition de vidéo. Là, c'est pas 100% montage vidéo dans ce style, si on a un event, des news, des choses avec beaucoup de footage, mais c'est plutôt si on sait déjà, si on a déjà fait un film, un storyboard, une histoire, et qu'on sait les séquences, on sait quelle scène va après laquelle, on peut faire complètement leur film. Tous les films de la Blender Foundation ont été édités, montés, caler le son sur Blender, tout simplement. Donc ça, c'est un aspect qu'on ne voit pas beaucoup. Moi, je l'utilise aussi comme converteur. De temps en temps, ça me rend vraiment... ça m'aide beaucoup quand tout à coup, je suis un client ou quelque chose, puis un problème qui n'arrive pas. Je peux utiliser la Blender pour faire des conversions. Ça m'est encore arrivé hier. J'avais tout plein de logiciels, mais il n'y avait que celui-là qui tournait. Un autre aspect de Blender qu'on ne connaît pas forcément, c'est ce qu'ils appellent le game engine, c'est-à-dire un système de jeux vidéo ou d'interactivité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des rendus finaux de films, on peut avoir comme un moteur de jeu, de rendu, qui peut être utilisé bien sûr pour faire des jeux ou des prototypes de jeux. On peut programmer en Python toute l'intelligence artificielle derrière. Ou une autre possibilité, vu que Blender est très ouvert dans le code lui-même, en C, C++ ou autre, ou même simplement en Python avec des plugins, des API, c'est par exemple des installations interactives, c'est-à-dire on peut avoir une machine qui tourne Blender, qui a des animations prédéfinies, et puis une personne ou quelqu'un qui est par exemple traqué avec un Kinect, qui sera reproduit sur un mapping pour différentes solutions. C'est vraiment ça peut être un outil auquel on pense pas forcément, mais voilà, c'est un des aspects. Ensuite, je voulais juste voir quelle heure c'était. Comme ça. OK. Alors, je vais faire après une petite démonstration aussi du logiciel pour ceux qui ne connaissent pas. Je peux vous emprunter la souris, j'y pense. Parce que je crois que mon sac, je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà. Voilà, oui, je cherche une souris parce que avec le trackpad, c'est pas idéal. Voilà. Hop, voilà. Donc là. Ah, ouais. Bon, ouais, c'est bon. Ça marche. Je crois que je vais juste prendre un petit instant, juste chercher là ce qu'elle est là. Je ne l'ai pas remise en fait. Est-ce que vous avez des questions en attendant?
demande juste. Ah merde, je suis super stress. Je sais plus penser à ça. J'arrive. Oh putain. Quel bordel. C'est pire. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques-unes des étapes. Ce sont des étapes, là je les ai mis dans un certain ordre, mais on n'est pas du tout obligé de faire dans cet ordre-là. C'est tout bien sûr non linéaire. Et puis ce qu'il faut aussi savoir, c'est que souvent dans des grands projets, il y a des gens qui ont des étapes qui sont par exemple animateurs, il y a des gens qui sont sculpteurs, qui font différentes parties. Je peux bien sûr pas tout vous montrer, parce qu'on n'a pas tout le temps, mais je vais essayer de vous montrer quelques aspects, quelques utilisations. Donc, rapidement, pour dire, la modélisation, c'est on crée nos personnages, nos décors. On peut partir toujours d'un cube, il y a différentes façons de modéliser. Ensuite, la sculpting, c'est vraiment la sculpture. Ça, c'est assez récent comme technologie. Ça permet, on modélise d'abord une base, un personnage ou un des yeux, et on rajoute beaucoup de détails en sculpture. On fait vraiment comme un sculpteur. On a des outils, on enlève de la matière, on rajoute, on crée avec des textures, on peut créer comme des griffes ou pour les monstres par exemple, c'est beaucoup très utilisé. Ensuite, tout ce qui est materials et texturing, c'est les matériaux, les couleurs de base. C'est un bois, est-ce qu'il va être réflectif, est-ce qu'il va réfracter la lumière. Il y a parfois un petit peu de... Voilà, faut un peu s'imaginer la physique pour être... si on veut être précis, bien sûr, si on veut être réaliste. Sinon, le côté cartoon peut donner d'autres. Le UV, c'est UV Unwrap, c'est pour plaquer une texture, une image sur des objets en 3D. Parce qu'une une texture, c'est toujours une image en 2D qu'on doit mettre sur des formes en 3D. Par exemple, une sphère, on aura la carte du monde avec les nuages et on va l'enrober, l'enrouler autour. Ça, c'est le unwrapping. Bon, layout, c'est tout ce qui est pose de caméra, de lumière entre ça et le lighting. La lumière. Ça peut paraître simple au début, c'est assez simple. On pose un spot, on pose un deuxième, on fait un fill light, différentes options. Mais après, il faut aussi trouver l'ambiance, d'avoir les bonnes lumières. Et l'animation qui est assez simple dans la base, c'est-à-dire on pose des keyframes. Mais une belle animation, ça c'est très très difficile, donc ça c'est vraiment un beau métier. Ensuite, le rendu, c'est quelque chose qu'il faut, quand on a des projets, pas oublier, parce que ça peut prendre souvent beaucoup de temps. Et le compositing, finishing, qui est vraiment le fait de rajouter un peu différents effets de lumière ou par-dessus, et aussi le montage final. Il y a bien sûr, j'ai pas noté, mais dans la création d'un film ou d'un projet, il y a beaucoup la pré-production, donc c'est trouver son personnage, son idée, le scénario, les choses comme ça. Donc, ah mais ça ne marche pas. Alors, donc voilà Blender. Alors, c'est sur un écran 800-600, parce que la résolution, on m'a donné ça, donc il n'y a pas énormément de marge de manœuvre. Idéalement, c'est d'avoir une souris 3 boutons, bien sûr, pour pouvoir gérer. Donc je vous montre rapidement, par exemple, une étape de la création de modélisation. On va essayer de modéliser. Je vais d'abord mettre ce qu'on appelle un modificateur miroir qui va permettre d'avoir des deux côtés. Parce que quand on crée un personnage ou quand on édite quelque chose, souvent on démarre avec une symétrie, tout simplement parce qu'on ne veut pas modéliser deux fois l'aile ou le bras. On a un personnage en forme de base, et puis quand je lui rajoute un sixième doigt, bah forcément, normalement, il l'a de l'autre côté, à part si c'est un pirate, puis qu'il n'a qu'une jambe, mais ça c'est, après on peut le voir. Donc je vais juste mettre deux, trois options pour faciliter. Si jamais vous êtes très intéressé et que vous n'arrivez pas à suivre toutes les manipulations que je fais, je donne un workshop juste après, à 3 heures, dans le hall 1.
et on pourra voir un peu plus en détail. Donc voilà, la base de la 3D, c'est toujours la vraie base, c'est des vertex, c'est des points dans l'espace. Des points dans l'espace qui sont reliés par des edges, des coins et des faces. Donc il y a différentes manipulations qu'on peut faire sur les faces. Et voilà, on peut prendre une face et puis l'extruder, je ne sais pas trop, l'extrusion en français. Là, ensuite, on peut mettre de l'autre côté quelque chose, on peut subdiviser pour rajouter des détails, parce que là, je suis parti d'un cube, et si... Il m'a fait quelque chose, voilà. Je rajoute un détail ici pour, par exemple, faire un deuxième cube là au milieu. Voilà. Ça, c'est vraiment la base. Je travaille sur quelques cubes. Ensuite, il y a l'option de les arrondir. Donc, je vais rajouter un autre modificateur qui va permettre d'affiner le détail, de faire plus fluide, plus rond. Sans forcément, et surtout ça c'est très important, sans ajouter de détails de vertex inutiles. Si je fais Shade Smooth, voilà. Donc là on a une base sur laquelle on peut commencer un peu à essayer de faire quelque chose. Je peux couper par exemple là, prendre comme ça, et puis je vais pas faire un peu comme ça, reprendre une face, monter. Ça c'est voilà, différentes options. Ensuite, je ne sais pas sur quoi je suis parti. Donc, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me dire sur quoi ça peut. Si ça vous fait penser à quelque chose, un siège de moto. Ok. Alors, je ne fais pas de moto, donc je ne sais pas trop sur quoi on pourrait continuer la moto, mais. Qu'est-ce qu'il y a là, comme ça, un escargot. Ouais. Bon, si on part sur un escargot ou un monstre, on peut lui faire comme ça. On peut par exemple lui rajouter des pattes. Ça c'est vraiment au début la phase un peu voilà, imaginative. On peut peut-être lui rajouter, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de lui faire, des ailes ou quelque chose. Voilà, ça c'est un peu pour le bras. Et puis là, on sent bien l'utilité du miroir pour pouvoir être à gauche et à droite, la même chose, et déjà avoir très facilement une vision de ce qu'on veut. Alors c'est vrai que je suis parti un peu en freestyle, sans grande idée. Voilà, on a un certain look, c'est un monstre volant, mi-moto, mi-dinosaure, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est une des étapes, c'est vraiment la modélisation. Donc souvent on a ce qu'on appelle un blueprint, c'est-à-dire qu'on a un concept artist qui a dessiné un personnage de gauche, de droite, de face, avec des attributs, voilà. Donc il nous aura dit, on saura qu'il a deux ailes et pas une, et on aura des meilleures proportions que cette horrible chose. Ensuite, comme je disais, là, il y a une possibilité, c'est de sculpter. Donc je vais d'abord appliquer, parce qu'on n'en a pas trop besoin. Et je vais faire comme ça. Je vais encore, ça ira, ouais, ça ira. Sans entrer dans les détails, je vous montre juste un peu la possibilité, c'est-à-dire que on rajoute, on peut le faire un peu plus gros, comme ça, de la matière. On va faire peut-être encore un peu plus précis, on va faire comme ça. Pas grave. Oups. Voilà. Donc là, on peut comme ça rajouter on va dire de là, un peu du squelette, un os qui aura, ou plutôt si on travaille un peu sur la tête,
des yeux. Bon, là, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis l'option symétrie, mais c'est la même chose, c'est le même principe. Ensuite, on a des outils qu'on peut avoir plus grand, plus bas, et puis la possibilité de faire des trous. C'est vraiment là, on se rapproche très, on est très réaliste par rapport à la sculpture. On peut faire les choses un peu plus plat, donc on les rend plus plats maintenant parce qu'on s'est trompé ou on a rajouté trop de détails ou le directeur artistique veut autre chose. Ça, c'est voilà, c'est l'aspect sculpture. Ensuite, c'est l'étape où on va faire un peu on va lui mettre un peu de couleur. Donc d'abord, il y a bien sûr les couleurs de base. Donc vu que c'est un gentil dinosaure, on va le faire un peu, voilà, de les couleurs qui font pas peur aux enfants. Comme ça. Il y a différentes façons de colorier un objet ou un personnage ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a le tab qui marche pas. Ça, c'est embêtant. Tant pis. Je vais juste sauver en attendant. Ça, c'est quoi? Ce rose bouchon. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai par exemple sélectionné un certain nombre de faces auxquelles je vais donner un autre matériau qui sera peut-être lui, je sais pas, jaune. Voilà. Donc on a maintenant une partie qui est plus jaune. On a bien sûr la possibilité aussi je ne vais pas vous le montrer parce qu'il faut d'abord prendre une texture de base, l'appliquer, développer. Mais après, une fois qu'on a une texture, par exemple, je sais pas, d'écaille ou de plume, on peut peindre aussi en 3D par-dessus pour pouvoir avoir plus de détails. Voilà. Vu que les étapes suivantes sont un peu plus longues, j'avais déjà préparé. Sur là, les blends, pardon, présentation, blend d'étape. Par exemple, voilà, ouais, non, ça ne va pas. On va faire sur le rigging. C'était un autre, voilà, j'ai peut-être passé un petit peu plus de temps, mais c'est toujours pas terrible. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est de montrer une des étapes de l'animation. C'est ce qu'on appelle le rigging, c'est la mise en squelette. Donc on a là un squelette par-dessous. Ouais, bon, il est dans l'autre calque. Ce qu'on va vraiment faire, c'est comme une marionnette. On va créer une marionnette avec un squelette et des points de contrôle. Donc là, les points rouges, ce sont les points de contrôle. Donc je prends par exemple la queue et j'ai défini que c'est vraiment le bout de la queue et je peux le tendre. Alors on voit qu'il y a quelques détails là qu'il faudra faire, mais ça nous permet par exemple de lui mettre la queue un peu derrière entre les jambes. Et puis, bien sûr, le principal, c'est lui, c'est le corps. Donc le corps de base nous permettrait par exemple de faire des choses comme ça où il peut bouger. C'est pas le meilleur rig du monde et parce que c'est tout un art, c'est toute il faut une mécanique. Mais le but du rigging, c'est vraiment de simplifier la tâche à l'animateur. C'est-à-dire que l'animateur, il a vraiment un seul point derrière, c'est la queue. Et tout le reste, la physique de la queue doit suivre. Donc, si le rigueur, celui qui fait le rigging, a fait du bon travail, l'animateur, il n'a pas à se soucier de ce pli qu'on voit là, parce que ça a été mieux peint. Voilà, pour les ailes, la même chose. J'ai des ailes, disons, simples, parce que j'ai fait que un point de contrôle. Mais typiquement, on aimerait peut-être un deuxième au milieu, où il y a peut-être une option pour plier les ailes ou pour que si l'oiseau ou l'animal a des plumes, que les plumes se rétractent. Donc ça pourrait être un contrôle pour les mains, pour les paupières. On peut rajouter tout plein de détails. Là, j'en ai un pour la tête pour pouvoir faire différentes options. J'ai absolument rien pour les oreilles, les yeux. Voilà, donc ça, c'est vraiment les points qu'on va utiliser pour faire une animation. Pour faire l'animation, on a là un petit chiffre qui est 1. L'animation, que ce soit finalement en bande dessinée, enfin en anime,
en dessin animé ou en 3D ou dans Flash, dans tout ce qui bouge, le mouvement est toujours ce qu'on appelle la timeline. C'est-à-dire c'est l'échelle de temps. Et le nombre d'images ou de secondes. Et ce qu'on va faire, on va toujours faire des points clés. Donc je peux par exemple commencer à l'image 1. J'ajoute des points clés. Donc ça c'est ma première pause. C'est une pause, c'est la pause disons de base. Et je peux faire une deuxième qui est peut-être comme ça. Et on va lui faire tendre les ailes. En forme un peu, il n'est pas très expressif, mais ils ont un peu surpris, on va dire. Non, attendez, je me suis trompé. Ensuite, j'ai juste, dans le show de la démo, j'ai oublié qu'il faut aller justement à l'image 21, par exemple, pour dire, en 21 images, il va me faire la transformation de ça à cette pose-là. Je la refais juste. Voilà, et comme ça. Je reprends tout, je remets une point clé. Et si je passe d'une image à l'autre, j'ai cette animation qui est faite. Donc c'est simple, sur Swat, c'est vite fait. Mais bien sûr, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas fait des poses très, très intéressantes ni très, très bien. Et c'est là où ça va prendre beaucoup plus de temps, l'animation. C'est de trouver les bonnes poses, le bon timing, ça c'est très important dans l'animation, c'est d'avoir un timing parce que typiquement une personne qui marche, elle marche un petit peu plus vite ou si elle tend le cou un peu plus, elle aura une autre expression. Pour les animaux, c'est la même chose. Je dirais là, pour un animal fictif qu'on ne connaît pas, l'animation elle sera plus facile parce qu'on n'a pas de référence visuelle, donc on ne va pas se dire ah mais c'est bizarre parce qu'on ne sait pas comment vole un dragon comme ça. Là, j'ai fait juste 2-3. Mais si je... Voilà. Il a un rapide cycle. C'est pas... Voilà. Aspect démo. Ça, c'est un peu... un autre bout que j'ai fait. Là, c'est par exemple une personne qui marche. Donc c'est la même chose, j'ai fait des points clés de base. Mais en plus, chaque bones, chaque os, si on veut, ou point de contrôle. Donc là, je suis en train de travailler avec la hanche. Elle a un graphe d'animation. Donc dans le temps, on voit ça, par exemple, le bleu, c'est la hauteur, l'axe en hauteur. Donc on voit qu'elle a un petit... elle marche un peu comme ça. Il suffit de prendre par exemple le troisième point là, que j'avais déjà préparé et de le mettre un peu plus bas. Alors on va attendre qu'il passe. Je mets un peu plus bas. Donc ça c'est le temps et là c'est l'axe. Et on voit, elle va se baisser. Elle va se baisser beaucoup plus. Alors on peut s'amuser à faire des choses plus intéressantes dans le sens où... Oh, je ne sais pas si c'est possible, mais on peut le faire. Ou au contraire, aller un peu... Et se donne dans l'autre sens. Ça, c'est après pour du fine-tuning de l'animation. C'est-à-dire qu'on a ce côté... on sait vraiment, à la seconde... Enfin, là, c'est l'image, parce qu'on travaille en image. À l'image 60, on est là en bas. Donc, c'est ça que je veux, c'est pas ça. Je ne veux pas lui donner ce style. Et c'est vraiment... Dans l'animation, c'est très difficile, c'est les détails. Ce genre de détails qui vont tout faire au style de personnage. Pour moi, c'est assez difficile. Je ne suis pas un animateur. Moi, j'utilise Blender pour la 3D, pour un peu tout. Donc, je fais de l'animation, je fais du rigging, tout. Mais je ne suis pas spécialisé. Alors que dans des studios, dans des grosses structures, je travaille dans un petit studio avec 2-3 personnes, on fait un peu tout. Dans les plus gros studios, on aura des personnes qui vont faire vraiment que la modélisation, qui connaîtront l'anatomie de personnes parfaitement, qui pourront tout faire. D'autres qui seront justement des animateurs qui font que ça, en fait, qui ne vont jamais modéliser, qui ne vont jamais texturer, mais qui connaissent l'animation et qui passent leur journée à observer les gens dans la rue, à apprendre, à avoir des références, du matériel. Une dernière démonstration une dernière étape que je voulais, c'est quand même juste un petit mot sur
ce que j'ai dit, le game engine, l'aspect temps réel. Alors, c'est pas un jeu, mais c'est pour montrer un des aspects du rendu qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ça, c'est dans la vue 3D de Blender. C'est à peu près les mêmes techniques, OpenGL et autres, pour du rendu. Donc, on a la réflexion, là. Je sais pas si on la voit vraiment bien sur l'écran, mais voilà, on peut aussi prendre un bout de la voiture ou là la porte. Et voilà, là on voit bien qu'il y a une réflexion qui se fait comme ça, un peu en temps réel. Et ce serait ce genre d'outils qui permettent déjà un rendu très 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 proche et qu'on pourra animer pour faire un jeu. Il y a différentes techniques, et là, c'en est une, c'est une technique de triche qu'on utilise dans les jeux, c'est justement le sol. C'est-à-dire que c'est pas non plus une vraie ombre, c'est le sol qui a été peint sur l'ombre. Bien sûr, si la voiture bouge, on va utiliser d'autres stratégies, d'autres techniques. Ça, c'est un exemple un peu plus ancien, parce que maintenant, il y a bien sûr, avec les cartes graphiques, on peut sans problème faire des ombres. Voilà, c'est un des aspects. Ensuite, je crois que pour la démo, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ou qui a une question sur un aspect spécifique, peut-être, ou qui veut voir rapidement un point, ou qui a une question sur comment on fait un petit aspect? Oui? Alors, là, j'ai pas pris tout ce que je... Je suis pas sûr si je les ai pris. Non. Là, j'ai pas, mais si la personne demandait un exemple de jeu fait sous Blender, si on va sur le site blender.org, il y a différents projets, et le projet, par exemple, Yo Frankie, qui est basé sur les personnages de Big Bug Bunny. C'est un développement de jeu. Là, on peut voir, on a c'est un petit rat qui... Non, je crois que c'est un renard qui bouge et qui doit essayer d'attraper les différents moutons. Ça, c'est des exemples. Il n'y a pas d'exemple de jeu de grand public qui ont été pour l'instant faits. Ce n'est pas non plus le point fort, parce que pour faire l'interaction avec les jeux, il faut quand même beaucoup de ressources, beaucoup de développeurs pour avoir ces aspects-là. Par contre, une des grandes aussi où on utilise beaucoup Blender, c'est avec Unity, qui est un autre moteur de jeu, parce que l'interopérabilité se fait très bien. C'est-à-dire qu'on ouvre les fichiers .blend dans Unity, qui permettent de faire des jeux, d'exporter des jeux sur les téléphones portables et autres plateformes. Ça, c'est un exemple, voilà. Alors, je ne peux pas passer là. Est-ce qu'il y avait une autre partie qui voulait... Oui ? Ça va peut-être un peu dans le même genre, c'est pour l'intégration dans des programmes, ou des jeux, des sites web, etc. Comment ça se passe ? Vous exportez un seul fichier .blend, qui comporte des animations, etc. Il y a différents fichiers. Alors, concernant l'intégration de fichiers ou d'animations Blender dans, par exemple, des jeux ou des sites web, alors le format lui-même, c'est .blend, qui lui contient, on peut rapidement voir si on append des choses, on a là toute une, ça c'est là on est à l'intérieur du fichier .blend, donc on peut voir, on a tous les pinceaux, toutes les caméras, les positions des caméras, en l'occurrence dans ce fichier, j'ai pas animation, mais normalement il y a animation, actions, donc on peut retrouver toutes ces datas, les importer entre les fichiers .blend entre eux. Par contre, pour sortir, parce que le .blend, c'est un fichier quand même binaire, je crois. Pour sortir, il faut soit exporter, par exemple, dans des formats... Si on veut aller sur le web, pour faire des choses en WebGL, il faut passer par DOBJ, STL, différents formats, pour après avoir un player WebGL. Il n'y a pas dans Blender intégré. Il y a une autre option, pour si on veut, par exemple, passer des jeux ou des installations qu'on a faites, c'est créer un .exe. Enfin, je dis toujours .exe, mais c'est une application quoi, qui
intégrera et Blender et le fichier .blend et qui se lancera automatiquement en plein écran ou suivant ce qu'on veut avec directement en mode jeu interactif. Ça, c'est une des options. Voilà, pour le web, là, pour encore une autre moyen d'export. Non, hein, je crois que c'est un peu trop. Les applications en général, alors vraiment que la version pour les fichiers 3D, c'est ça. Sinon, il y a bien sûr aussi toute l'API, toute l'option en Python à l'intérieur de Blender. Ça veut dire que chaque objet, chaque mesh, chaque vertex peut être accédé en Python. Python, c'est un langage de programmation qui lui permettra d'y accéder, de modifier. Donc on peut créer soit vu qu'après avec Python on peut rajouter plein de modules, on pourrait à l'intérieur de Blender avoir, je sais pas, par exemple des graphes, des barres avec, on va chercher directement dans Python, il y a un Python qui tourne en boucle qui va chercher des data de, je sais pas, par exemple les votes du conseil d'état ou des choses comme ça en temps réel, dans une base de données MySQL ou autre, ou même des data sur un site web, on fait des gets, et on les parse, et on peut avoir des cubes, ou des animations, ou des personnes qui vont plus vite. Je sais pas, je peux imaginer, la personne qu'on a vue avant qui courait, là, on peut la faire, le cycle, on peut le faire courir plus vite, suivant le volume d'applaudissements des gens dans la salle. Ce serait la possibilité à l'intérieur de Blender. Sinon, si vraiment vous avez une application et qui a besoin des data, Le mieux, c'est d'exporter en un format que beaucoup de gens utilisent, par exemple OBJ ou autre. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, très bien. Voilà. Alors, de toute façon, pour moi, ouais, on est à peu près. Je crois bien que c'était. Mais c'est pas là. C'est là. C'était. Je n'utilise pas beaucoup de PDF. De full screen. C'est égal. C'était ma dernière slide. De toute façon. Donc là, je vais ouvrir un peu d'autres questions. Je vous invite aussi à essayer aller visiter le site blender.org. Si vous êtes intéressé sur le site Blender, vous retrouverez aussi les quatre films, les animations, qui ont tout un style différent, qui ont une personnalité. Et puis, j'ai oublié de préciser aussi que pour les films open source, ils ont été créés principalement à Amsterdam, dans un studio, dans lequel ils invitent des artistes, moins d'une dizaine d'artistes, du monde entier, de la communauté Blender, à venir sur place à Amsterdam et produire ensemble pendant quelques mois. Alors, c'est pas des films à gros budget, sont souvent sponsorisés par différents États et par les préventes de DVD. C'est-à-dire que très souvent, ils vendent en prévente le DVD, sur lequel on retrouvera le film et tous les personnages, tous les médias qu'on a besoin pour recréer le film. On peut même recréer le film à la maison. Ensuite, ça c'est mon nickname que vous pouvez taper dans Google. Enfin, voilà, si vous voulez mon adresse email, c'est oenvoyage@gmail. Mon Twitter, c'est @oenvoyage. Et n'hésitez vraiment pas à venir me poser des questions. Vous pouvez essayer de me poser des questions après en personnel. Je fais un petit workshop d'introduction, maintenant, après, dans 5 minutes, dans la halle. Et puis, à 4 heures, on va projeter les 4 films de la Blender Foundation dans la salle. Il faut suivre les petites flèches derrière la toilette. Voilà, donc est-ce que vous avez encore des questions sur ça ? Oui ? Alors, la question était de savoir s'il y a quelques liens de tutoriaux, des références pour Blender, parce que c'est vrai que pour apprendre, c'est important. Alors, je vais en écrire, c'est juste que j'ai pas ça. Parce qu'en effet, sur YouTube, on trouve, on trouve beaucoup de choses. Et qu'est-ce que je peux utiliser là pour écrire ? Ça ? Voilà, je crois que je peux écrire là. Il y en a un, si vous parlez anglais, alors il y en a deux, trois aussi en français, mais ça c'est vraiment un que j'aime beaucoup, c'est CG Cookies. Alors où je suis maintenant ? Enfin, vous n'avez pas besoin du www machin là. Hein.
On sait tous, c'est sur Internet. C'est cgcookies.com. C'est des sites plutôt en anglais, mais si vous parlez très bien en anglais, c'est pas de souci. Ils sont vraiment très, très, très bien faits sur différents aspects de différents niveaux. Sinon, la même chose, vous avez blenderguru.com. Il est plus petit, mais il est pas moins bien. Hein. C'est la même chose. blenderguru.com. Ensuite, sinon, en français, je sais qu'il y a des livres. Il y a même un Blender pour les nuls qui est assez bien fait, que vous pouvez normalement trouver dans les librairies locales. Il y a un livre aussi de Olivier Saraya en français. Je ne me souviens plus du nom du livre, par contre. On peut le retrouver après, si vous voulez vraiment les références, je les donnerai. Sinon, je les mettrai peut-être sur le site aussi. Je noterai ça, j'ai pas pensé, c'est une bonne remarque. J'améliorerai ma présentation suite à cette question. Merci beaucoup. Voilà. Je crois qu'on est bon.